Come on, 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 come on
Vous avez gagné votre place, s'il vous plaît.
Nous procéderons à une
série de dons. Et plus naturellement, comme nous allons recevoir un pays sur le fond, vous êtes conviés à un déjeuner. Et maintenant, la clé de la ville vous est remise. Vous pouvez y dormir, puisque vous avez de la famille ici. Vous y allez se lever très tôt ce matin, c'est pareil au plus beau vos habits et vous attend. Boundiali est prêt à vous écouter et Boundiali est prêt à vous parler. Sans plus tarder, nous appelons, sinon nous demandons à M. Médéric de tendre le micro au chef de terre, M. Togodi. Voilà ce qui a été dit. Au nom de Dostafel, le chef de terre, la bénédiction est faite, que votre mission s'accomplisse et que Dieu vous aide, Dieu vous soutienne, que la cérémonie se déroule normalement. Il a imploré normalement afin que tout se déroule très bien. Voilà en ce sens, monsieur le président, ce qui a été dit. Intervient maintenant pour Allah le suprême, l'imam Koulibaly Lassina. ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مسامي بوجه من ألو ماسكو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سؤال سؤال إخوان الرئيس الإمام أبلغ الكرو le miséricordieux et le tout miséricordieux, afin que ceux qui sont venus, votre délégation et vous, puissent accomplir leur mission, retourner dans la paix, sous la leçon de Dieu Tout-Puissant, et de tout ce que nous avons entrepris, que Dieu puisse nous bénir, afin que nous arrivions à terme de cette mission que vous accomplissez donc au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà en succès ce que dit l'imam Koulibaly Lassina. Inalga. En bas, quand il va tenir, le gouvernement d'Alla, il a eu le calor, il a eu le drapeau faussant. Excellence, monsieur le président,
dans ce pays-là que vous voulez diriger, il y a un mille. Voilà, nous allons saluer la patrie. S'il vous plaît, nous entendons après la solo l'Abidjanaise. Le balançon peut nous accompagner, s'il vous plaît. Abidjanaise, s'il vous plaît, solo.
de Ganaoni. On les applaudit très fort. On les applaudit en version pourrie pour les Tapatia de Mondiali. Ici et maintenant, face son entrée par la fond de Ganaoni. Maintenant, pour le deuxième Fota Malin, à son excellence, M. Kouadio Konan Bertin. Après quoi, Gouroubi Matadi de Tambélé se prépare maintenant. Gouroubi Matadi de Tambélé se prépare. Tadato, maintenant, le balafon de Ganaoni fait son entrée. Il était le Fota, le Fota Malin. Surtout qu'ils sont
avec le soin du premier octobre, la victoire nous soit acquise. Et juste après, qui m'a dit de ce courant se prépare. Juste après le Burundi, qui m'a dit de ce courant se prépare maintenant. Et danser. Thank you.
Délégation de
dernière, libre religieux. Aujourd'hui est un grand jour. C'est le jour de la démocratie chez nous, dans notre ville, dans notre contrée, dans notre région, dans Bangoué. Que c'est bien d'être rassemblé, de se voir l'un dans l'autre, le plus courageux, éclairé, dans la démarche s'inscrit dans la paix et dans le bonheur du peuple ivoirien. Quoi donc on a Bertin, le président Kakabé, qui dansait, et voilà. Le Bangoué comme un seul homme vous soutient en tant que vous apportez la magistrature suprême. C'est ce qui explique le rassemblement de toute cette population ce matin. Alors, permettez que je la salue et présenter des excuses par la même occasion pour les imperfections constatées ici et là. Cependant, nous sommes heureux, contents et fiers de votre venue chez nous au nord, en plein cœur du pays ce nouveau, pour nous parler et vous écouter. Merci également à une personne chère pour le président de Kabé. Il s'agit de sa porte-parole, Madame Aïris Simon. Et merci également au grand frère Dosso Mustapha, qui est venu renforcer la mobilisation. Merci grand frère. Que Dieu garde, que Dieu nous garde, que notre victoire soit le 31 octobre 2020. Je vous remercie. Monsieur le Président du comité d'organisation, par ailleurs, directeur régional de campagne de la région de la Bagoué. Sans plus tarder, nous appelons ici Monsieur Bamba Kono Jonas pour l'allocution au titre de la jeunesse de Pundiali. On applaudit très fort Monsieur Bamba Kono Jonas. Excellence, Monsieur le Président Kwadjo Onan Bertin, Monsieur le Directeur de campagne régionale de la Bagoué, Monsieur Moussa Diabaté, Mesdames et Messieurs les invités en vos rangs, grâce et qualité, c'est un insigne honneur et un agréable devoir pour moi de porter la voix de cette jeunesse, la jeunesse de la Bagoué. À cette occasion si solennelle, celle de la campagne présidentielle, où vous souhaitez la bienvenue au Tamana Kinshasa. Monsieur le Président, nous avons constaté que la jeunesse de la Bagoué est sortie massivement. Vous vous réservez un accueil chaleureux, digne de votre rang en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2020. Vous êtes le candidat de la jeunesse. Celui-là même, il vient de donner un sens à la démocratie ivoirienne. Merci infiniment pour votre grande vision pour l'avenir de notre pays. La Côte d'Ivoire, une vision à laquelle la jeunesse de la Bagoué adhère pleinement. C'est-à-dire la paix, le développement et la cohésion sociale entre les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, vous avez notre soutien indéfectible. À ce stade de mon propos, je voudrais remercier nos parents, les chefs de village, les chefs de terre, les associations de femmes et de jeunes,
qui ont permis la réussite de cette cérémonie. Monsieur le Président Kwadwo Konan-Berté, nous comptons sur vous pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes de notre région, la région de la Bangui. Dans les domaines tels que l'élevage, l'agriculture, le commerce et j'en passe. Notre région, oui, Monsieur le Président, notre région, la région de la Bangui, regorge des atouts favorables à ces activités. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Prions le bon Dieu de veiller sur le retour des délégations et sur notre candidat, Kwadwo Konan-Berté. Chers amis jeunes, oui, je lance un appel aux jeunes, chers amis jeunes, en avant pour la victoire au soir du 31 octobre 2020. Je vous remercie. De nous rejoindre parce que c'est elle qui va s'exprimer au nom des femmes de la Bangui. Elle est très fort, Ouattara Kadi. En attendant, la population
Dali se prépare à s'annoncer vers le candidat. Car la population a un message exceptionnel, spécial, pour notre excellence Radio Président Bertin.
Merci au ballon de Mandala. Merci, merci au ballon de Mandala. Merci beaucoup. Merci. Nous allons continuer avec les danses après la locution du président. Merci au ballon de Mandala. Merci beaucoup. À présent. On va les ovationner très fort. Merci au ballon de Mandala. C'est à 5 km de Boudiali sur la route de Guinée. Merci au ballon de Mandala. C'est quoi? Oui, ils ont fait une chance pour nous n'avons pas eu une appellation. Ballon de Pendant-Dougou, merci. Merci au ballon de Pendant-Dougou. Attendez qu'on vous appelle le micro. On va vous présenter normalement et puis le président va vous saluer. Merci. À présent, nous appelons monsieur. Nous allons procéder à la série des dons, président. Nous allons procéder à la série des dons et pour bien le Boudiali, vers vous témoigner la gratitude. Et pour cela, nous appelons monsieur Konaté Sekou, directeur de campagne du département de Tengrela, pour les dons. Merci. Nous sommes frères. Vous êtes le petit frère de ma mère, mon pardonné.
vous venez à Bundiali chez moi. Vous êtes venu à deux reprises, vous êtes l'enfant de ma famille. Vous ne serez passé à Bundiali sans que moi, fils de Dosso Kounadi, secrétaire général du PDC de Bundiali, ne vous reçoive et vous témoigne son amitié. C'est pourquoi je vous offre ce bélier. Au titre de la famille Dosso, au signe de notre amitié, je vous offre ce bélier. Présent, identique, que Dieu nous accompagne. Présent à eux. Pour vous témoigner de notre amitié, je voudrais que vous écoutiez une seule chanson. Aïssa Mali Aïkado, Amina Musique Mido, Bema Famu, Amina Etienne Bemou Tchali, Amina Bena Koromé, Sana Amina Kumata, Chef Farine, Amina Kumo, Aïe Musique Mido, Aïa Famu, Aïe Akete, Aïe Musique Mido, Aïcha Kounine Kodo Bima. Thank you.
Merci. Pour rester là, nous ne courons aucun risque. Chers parents de Bundiali, s'il vous plaît, on va écouter. Au moment où je prends la parole ici, hier ou avant-hier, oui, mais quittez devant eux. Ouais. Quittez devant eux, voilà, quittez là. Quittez devant les vieux là. Les hôtesses, les jeunes, quittez devant les vieux là. Hein? Oh! Au moment où je prends la parole devant vous, avant-hier, nous avons un des nôtres, le ministre de l'Intérieur, qui nous a quittés. Je voudrais vous demander de vous lever. On va observer une minute de silence à la mémoire du ministre qui a quitté. Ben oui. Merci. Asseyez-vous. Merci. Merci. Voilà. Chers parents de Bundiali, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Parce que ce que je vais dire, peut-être que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Mais il faut que je vous parle. Écoutez-moi bien. Moi, je m'appelle Kwadio Onan Bertin. Mon père est Baoulé. Il est de Bokanda. Mais Baoulé là, il a marié femme Dida. Et moi, ma mère est Dida. Depuis 30 ans, Dosso Mustapha dénigré. Et moi, non. Et moi, nous sommes frères. Mais Dosso là, son père est Dosso. Ceux qui sont âgés l'ont connu ici. Mais il a fait enfant avec femme Bété. Puisque Dosso, sa maman est Bété. Moi, je suis PDCI RDA. Ici, là. Quand je dois venir ici, l'homme qui doit me prendre par la main pour rentrer à Bundiali s'appelle Koulibaly Doulaye. S'appelle Koulibaly Doulaye. Il n'est pas avec moi aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il sera avec moi demain ici. Que c'est mon grand frère. Et comme Dieu m'a donné un lien avec Bundiali, j'ai de bonnes relations. Dosso Mustapha, ça fait 30 ans. Et Dieu m'a donné mon petit frère, le jeune Diabaté. Qui est assis là, il faut l'applaudir. C'est moi qui étais son parrain et son témoin de mariage. Lui, il est Sonofo. Lui, il est Sonofo et moi, je suis Baoulé. On fait la politique là. La politique ne doit pas nous diviser. La politique doit nous rassembler. Mais
ce que je vais vous dire. Aïssa Marie, écoutez-moi bien ici. Depuis 2002, il y a eu rébellion. C'est pas ça? Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu Bété ici faire politique? Vous avez vu Baoulé ici? Vous avez vu Annie ici? Il n'y a que vos parents seuls qui viennent, qui vous parlent, eux seuls et qui vont à Bigan. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Dans ce pays-là, il y a Senoufo, il y a Koyaka, il y a Dida, il y a Bété, il y a Baoulé, il y a Agni, il y a Yakuba. Si vous vivez 20 ans, qu'il n'y a pas Baoulé qui vient ici, il n'y a pas Bété qui vient ici, il faut vous poser des questions. Il faut vous poser des questions. Parce que vos enfants là, qui s'appellent Ahmed Bakayoko, Soro Guillaume, Alassane Ouattara, eux ils vont à Gagnoa, eux ils vont à Boaké, eux ils vont à Soubré, eux ils vont à Daloa. Et les enfants de là-bas ne viennent pas ici. Est-ce que c'est bon? Non. Et ça dure 20 ans. Ça dure 20 ans. En 20 ans, je suis le seul homme politique qui n'est pas de votre ethnie qui vient ici pour faire politique. Est-ce que c'est bien? Alassane, il fait meeting à Daloa. Il fait meeting à Boganda. Il fait meeting à Abouassou. Mais ici à Korogo, à Kong, à Boudiali, à Ferke, si ce n'est pas lui seul, il n'y a pas Bété, il n'y a pas Baoulé, il n'y a pas Agni qui va venir ici. Si ça continue comme ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous devez ouvrir les portes du Nord au reste des enfants de ce pays. C'est comme ça que vous pouvez créer ce pays. Et le Nord n'est pas la propriété privée de la Salle Ouattara, ni de quelqu'un d'autre. Le Nord, c'est aussi une partie de la Côte d'Ivoire. C'est aussi nos frères et nos parents qui sont au Nord. Nous aussi, on a envie de vous voir. Nous aussi, on a envie de vous parler. Vous aussi, vous devez avoir envie de nous voir, de nous écouter et de nous parler. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça la Côte d'Ivoire. Et c'est cette Côte d'Ivoire que vous faut créer là. C'est ça, il faut qu'on retourne. Il faut faire en sorte que à partir de maintenant, si je suis candidat, c'est à cause de ça. On dit le 31, il n'y a pas d'élection. Ceux qui disent qu'il n'y a pas d'élection là, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire encore coup d'État. Ils vont faire encore rébellion. Faire encore la guerre. Vous n'avez pas trop souffert de la guerre comme ça? Vous voulez encore la guerre? Vous voulez encore la guerre? C'est pour ça que je suis candidat. C'est pour ça que je suis candidat. C'est pour ça que je suis candidat. C'est pour ça. Nous sommes fatigués de la guerre et nous voulons la paix. Alassane Ouattara est président. Tout ce qu'il fait là, c'est pas tout qui me plaît. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait. Parce que ce que je vais vous dire ici là, je le dis dans le micro, tout le monde écoute. Quand Oufo était président, Oufo était Baoulé, non? Oui! Oufo était président et puis Alassane, là, est-ce que c'est Baoulé? Non! Il était premier ministre. Est-ce que Forogo est Baoulé? Non! Pendant 22 ans, il était ministre. Ici, là, on ne compte pas les gens dont Oufo a fait la promotion. Un président, moi, je m'appelle Kouadio. Si demain je suis président de la Côte d'Ivoire, et que derrière moi, il n'y a que le Kouadio, il n'y a que le Kofi, est-ce que vous serez content? Non. Ah, vous ne serez pas content. Maintenant, quand derrière Alassane, il n'y a que les Ouattara, les Ahmed, les Sonoufo, les Koulibaly, les Mamadou, là vous êtes content.
Vous êtes content? Est-ce que vous êtes content? Mais quand Alassane fait cela, est-ce que vous savez ce que les autres pensent de lui? Si on fait comme ça, on ne va pas s'aimer entre nous Ivoiriens. Quand quelqu'un devient président, il devient président de tout le monde. Il doit protéger tout le monde, donner à manger à tout le monde, soigner tout le monde, nourrir tout le monde et mettre les enfants de tout le monde à l'école. C'est ça la peine président. C'est ça la peine président. Mais un président, quand il est président, il n'y a que ses parents seulement qui sont contents, c'est pas un bon président. C'est pas un bon président. Vous savez, il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre dans ce pays. Soro Guillaume a pris les fusils. Il dit que vous, les parents du Nord, vous avez les problèmes. Peut-être. Dans la vie, même une femme qui est mariée à un garçon, de temps en temps, il n'y a pas d'âme, non? Mais s'il n'y a pas d'âme, est-ce qu'il faut prendre fusil? On ne règle pas les problèmes d'un pays avec fusil. Au main. Voilà. On ne règle pas les problèmes d'un pays avec fusil. Et après, il y a eu la guerre. Écoutez-moi bien, entre Alassane et Laurent Gbagbo. Mais c'est les deux-là qui ont fait parler en cours d'élection. Écoutez-moi. Voilà. Si Alassane et Gbagbo font parler, les deux qui font palabre, si on dit on va faire réconciliation, c'est les deux qui vont réconcilier. Écoutez-moi. Voilà. On dit on n'a qu'à faire la paix. On n'a qu'à faire réconciliation. Si toi et moi on n'a pas fait palabre, est-ce qu'on va nous réconcilier? C'est quand on fait palabre qu'on nous réconcilie. Les deux qui ont fait palabre à cause de l'élection là, c'est Ouattara, c'est Gbagbo. Nous là, il y en a qui sont supporters de Gbagbo, deux sont supporters de la salle Ouattara. Quand Ouattara et Gbagbo se réconcilient, nous les supporters, on les suit et puis on est tous réconciliés. C'est pas comme ça. Voilà 10 ans que la guerre est finie. Gbagbo est en France. Alassane est ici. Les deux ne se parlent pas. Dans le cœur des bêtés, là, c'est leur frère. Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce que les abbés sont contents? Est-ce que les équipes sont contents? Est-ce que les guides sont contents? Est-ce que les guerriers sont contents? S'ils ne sont pas contents, vous devez avoir peur. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour que tous les Ivoiriens soient contents? C'est pour ça que je suis candidat. C'est pour ça que je suis candidat. Il faut réconcilier les gens. Il faut dire à la salle, ton frère, Gbagbo et toi, ça fait 10 ans que vous avez fait de la guerre. Ça suffit. Pensez à nos enfants, parlez-vous, réconciliez-vous. La paix va venir. On va construire la Côte d'Ivoire de demain. C'est pour ça que je suis candidat. Voilà tout. Parce que tant que il n'y a pas ça, moi je ne me promène pas avec Jérôme derrière moi. Je vais venir ici. Il y a de belles femmes là, je vais me cacher doucement, mais ils sont derrière moi, à cause de quoi? Hein? Parce qu'il n'y a pas la paix, parce qu'on craint à tout moment que quelqu'un vous attaque. On ne peut pas vivre comme ça dans un pays, pas dans le pays où vous faites bannir. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de mosquées, il y a beaucoup d'églises, il y a même basiliques. Il faut dire la paix, la paix, la paix. Aimez-vous les uns les autres. On n'a pas dit tuez-vous les uns les autres. On n'a pas dit haïssez-vous les uns les autres. On dit aimez-vous les uns les autres. Que tu sois ce nouveau, que tu sois bêté, que tu sois manier, que tu sois boucavé, que tu vis en Côte d'Ivoire, on est tous des frères. On n'a qu'à s'aimer. On a le sens de la vie politique. Donc maintenant là, ils vont venir eux seuls. Et puis, vous ne voyez pas les enfants des autres, il faut leur demander, où sont les bêtés? On ne voit plus. Pourquoi ils n'est pas chez nous aussi? Il faut leur demander, où sont les barbelés là? Ça fait 20 ans qu'ils n'est plus chez nous ici, pourquoi ils n'est plus ici? Il faut leur demander ça.
Parce qu'eux, ils vont ailleurs. On ne les frappe pas, on ne les agresse pas, on ne les insulte pas. Mais pourquoi nous, on ne peut pas venir ici? C'est comme ça qu'on peut accueillir ce pays. On n'a qu'à se ressaisir. Donc, Bougali, je suis venu ici. Là. J'attends le jour des résultats. Wallahi, si je n'ai pas eu. Si je n'ai pas eu 20 000 voix ici, ah ouais, l'imam, on ne peut pas la prendre. De toute façon, j'ai vu tout le monde, nombreux, contents. Je pense que vous êtes contents de me voir. Ça n'a qu'à être comme ça dans l'urne. Il faut aller voter pour quoi Dieu qu'on a battu à Kakabe. Regardez, pays là. Tout le monde est jeune ici. Hein, papa? Tout le monde est jeune ici. C'est quand on est jeune là, on a la force. On va au champ, on prend le tabac et on travaille. Les jeunes là, il faut leur donner le pays, ils vont construire le pays. C'est le temps des jeunes maintenant. Mettez la vie à la côté. Vous voyez, le président de la France là, il s'appelle Macron. Il a 40 ans. Moi, j'ai 52 ans. Et puis, on me dit que moi, je suis encore enfant. Et ça, c'est pas connu. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal? Mais vous faites quoi, Guy, là? Bédier, il a 30 ans. Moi, j'ai 52 ans. 30 ans. Ministre de l'économie. Jean-Conan Bali, 29 ans. Ministre. Camille Ali, 29 ans. Ministre. Et tous, quand même, 29 ans. Jeunes, vous faites la responsabilité. De battre la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi, à notre tour, là, il veut qu'on n'a qu'à avoir 70 ans avant de travailler? Pourquoi? Pourquoi? Aïkara au sort. Vos enfants ont été à l'école. Dieu merci, ils ont les diplômes. Ils ne peuvent pas s'asseoir à la maison avec les diplômes. Il faut qu'ils travaillent pour s'occuper de papa et maman, non? Voilà. Donc, je suis candidat pour sauver les jeunes. Je suis candidat parce que le temps des jeunes est arrivé. On ne peut pas continuer toujours comme ça. Et puis entre nous, il y a trois personnes qui font palabre tous les jours, ça ne finit pas. D'abord, Bédier, Ouattara, ça finit. Ça finit quand? Il faut mettre de côté ça, on va avancer. Si Ouattara est président, Bédier va tuer le président Ouattara. Si Gabon vient, c'est pas bon. Si Bédier vient aussi, c'est pas bon. Donc les trois là, on n'a qu'à les mettre à côté des trois. Demain aux jeunes, on va avancer pour la Côte d'Ivoire. C'est pas ça? Non, Gbagbo va venir. Il va aller à la Génie dans son pays. Moi, je vais le prendre pour venir. Et il va aller chez lui au village. Bédier va au village. Alassane va au village. Vous êtes devenu vieux, vous êtes fatigué, vous êtes travaillé, vous êtes... Il faut vous reposer un peu et arrêter les palabres et laisser les enfants, les jeunes construire l'avenir de la Côte d'Ivoire. Voici donc, chère maman, chers frères, chères soeurs, pourquoi je suis candidat. Moi, je vous le dis, je suis Mamoudou. Bawe là, il est calon. Bawe, il ne peut pas tuer quelqu'un. Bawe, il aime l'homme. C'est pour ça, femme Bawe, elle fait enfant avec tout le monde. Mais nous, on ne traite pas. Nous, on aime l'homme. Nous, on ne traite pas. On aime la vie et on protège la vie. On ne met pas la vie en danger. Vous avez compris? Bienvenue là, c'est la nuit. Je vous vois, c'est bienvenue. Voilà. Elle m'a dit bienvenue, il y a soleil dans la nuit, il veut voir s'il y a bienvenue. Ici à Koudiani. Donc, chers parents, nous sommes Mustapha Benikré et mon jeune frère Diabaté. Vous tous qui avez accepté d'animer notre campagne dans la région, je voulais vous dire vivement,
merci. Ce que je connais, ce que je ne connais pas, c'est l'occasion pour moi de vous dire merci infiniment. Il nous faut fraterniser et rebâtir un pays prospère, une nation une et indivisible, où l'amour règne entre les enfants de ce pays. Vous savez, ce que je vais faire, que ton père soit riche, que ton père soit pauvre, tu dois aller à l'école. Et l'État de Côte d'Ivoire est en obligation de payer pour que tous les enfants aient leur diplôme et qu'ils travaillent. Et ça, on peut le faire. Ça, on peut le faire. Nos parents ont planté ici la Nakar. C'est resté entre leurs mains parce qu'il n'y a pas d'acheteur. Mais pourquoi nos parents travaillent sans qu'ils soient payés en retour? Il faut apporter le bonheur et la prospérité dans nos campagnes en achetant le fruit de leur souffrance. La Nakar, le cacao, l'EVA. Aujourd'hui, plus rien ne marche et tous nos parents sont devenus pauvres. Et on est assis à Bigan. Même vous. Écoutez, quand je vous regarde là, est-ce que vous ressemblez à des milliardaires? Pourtant, à la fin des présidents. Est-ce que quand il marche là-bas, il a fait aussi ici? Donc, il ne faut pas nous diffuser. On dit que ce pays-là a une croissance de 8%. C'est qu'on est riche. Mais quand on est riche, tout le monde doit sentir ça sur son visage. Mais quand je vous regarde ici à Bondiali, je ne sens pas qu'on est riche. Ou bien, c'est une petite poignée de camarades entre amis qui se partagent notre richesse. S'ils font ça aussi, c'est pas bon. Quand il y a la richesse dans un pays, il faut la partager à tout le monde pour que dans le village, chacun sente que le pays est riche. C'est comme ça qu'on a un bon président. Mesdames et messieurs, le soleil frappe fort. Dans 8 jours, on doit aller aux urnes. Je vous ai dit qu'il faut qu'on change un peu. Les trois là, ils nous créent trop de problèmes. Il y a deux qui ne sont pas dedans, il reste un. Un là. Il ne faut pas prendre fusil, mais il faut aller voter pour lui dire, toi aussi, il faut rejoindre les deux autres. Kakate va le président et la vie va continuer pour tout le monde. Le jour où le 31, si je suis président, je vais trouver Alassane Ouattara et dire, Alassane, c'est ton pays. Tu l'aimes, tu as été président. Tu as fait ce que tu as pu. Mais tu ne peux pas quitter le pays parce que tu n'es plus président. Tu vas rester là, en paix. On ne va pas te déranger. Je ne vais pas te déranger. C'est ton pays. Mais je vais chercher Bato Laurent, il faut venir. Blé Goudé, il faut venir. Soro Diop, il faut venir. Mais quand vous venez là, je vais vous surveiller. Il ne faut pas que quelqu'un va prendre fusil encore. Ça, on n'a qu'à se mettre d'accord là-dessus. Celui qui prend fusil, il mène en trotte. Vous avez compris? Et puis, il y a trois, les quatre, les trois là. Ils vont se reposer tranquillement. Soro Diop, Blé Goudé, Kakabé, Ahmed Bakayoko, c'est la même génération. Et on va passer dans l'attention l'avenir de nos enfants. Ce qui est bon et que nous devons faire dans cette politique. Je compte sur vous. La jumelle, c'est toi qui es ici. Il faut venir. C'est toi qui es ici. Dosso et moi, nous on s'en va. Quand tu as pris la place de ton papa, le vieux Dosso était le premier secrétaire général du PDCIRDA ici. Bundiali là, Bundiali, on va monter, on va descendre, c'est PDCIRDA. Bundiali.
Bundiali ne peut pas être prise en otage par le RDR tout le temps. Un jour, le soleil, comme ce matin, va revenir, la vérité va revenir dans le cœur de tous nos parents ici. Ça, c'est la terre du peu de CIRDA, c'est pas autre chose. Donc, n'aie pas peur. Continue de faire ce que ton père a semé. Un bon se nous faut, il est fidèle à ce que son père lui a laissé. Le bon se nous faut assume toujours l'héritage de ses parents. Il n'abandonne pas et il ne le détruit pas. Donc tu es dans la droite ligne de ce que ton père a fait, que ton cœur soit tranquille. Continue, tôt ou tard, les gens vont comprendre, la raison va venir et le PDC IRDA va reprendre son terrain qui est le nord de la Côte d'Ivoire. Que je veux te dire. Le nord là, le nord qui soit Korogo, le nord qui soit Séguéla, le nord qui soit au Guinée, le nord qui soit Bonyali, le nord est PDC IRDA. Oui, PDC IRDA. Pour le moment, c'est les fusils qui font que il y a autre chose ici. Mais nous connaissons. Et puis on se parlait. Chacun de vous est intelligent. Quand on parle à chacun comprend. Chacun sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, qui peut être bon, qui peut être mauvais. Vous connaissez. Et vous allez librement choisir. Mais c'est ça, la démocratie, on n'impose rien à personne. Chacun choisit ce qu'il croit être bon pour lui et pour le pays. Moi, je suis venu, je vous ai parlé. C'est à vous d'apprécier. C'est à vous d'apprécier. Mais je vais vous dire, la Côte d'Ivoire, ça fait 60 ethnies. Vous ne pouvez pas vivre sans les autres. Et les autres aussi ne peuvent pas vivre sans vous. Donc, il faut que nos hommes politiques en tiennent compte. De sorte que nous puissions continuer de fraterniser et de refaire la Côte d'Ivoire un seul pays, uni avec un seul destin. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Le soin est un grand temps et ma vie est grande.